appelé la Maison du Bonheur et je vais le proposer pour l'exposition. Sarah, il est vraiment magnifique. Il mériterait d'être dans un musée. Joli travail. Elle nous a montré exactement le même il y a une semaine ou deux. Amy, attends ton tour. Cette semaine, je vais vous montrer un film que j'ai fait et où vous vous reconnaîtrez. Voici maman qui suit un régime à la lettre une fois de plus. Papa et son couvre-chef en cheveux naturels. Et voici pourquoi Sarah monopolise la salle de bain si souvent. Jette, je te déteste. Devinez à qui est le pull qu'Amy est en train d'essayer. T'es qu'un cafardeur. Amy, qu'est devenu ton sens de l'humour? Je pourrais gagner une fortune si j'envoyais ce film à une chaîne de télé. Combien de fois je dois te dire de ne pas essayer mes vêtements? Jette, ce film n'est pas très gentil. Réfléchis avant d'utiliser la caméra. Désolée. Alors maintenant c'est mon tour. Alors, Denise, comment s'est passé votre pique-nique? Est-ce que les fourmis vous ont ennuyé? Non, mais les termites, oui. Elles étaient pires que Terminator. On a dû faire venir l'exterminator. Oh, c'est la meilleure partie. Papa, tu m'avais promis de m'en acheter un autre, tu te souviens? Absolument. Regarde vite derrière le canapé. C'est vrai? Tu m'as acheté un pantin tout neuf? Presque neuf. Figure-toi qu'hier, je suis passé devant le magasin d'occasion qui est près de mon bureau. Et tout à coup, je l'ai vu, assis dans la vitrine. Oh, waouh, il est génial! Slappy. Merci, merci beaucoup! Carou, Marie, Odona, Loma, Molono, Carano. On dirait une langue étrangère très bizarre. Ça veut sûrement dire il faut être un pantin pour vouloir un pantin. Toi et moi, on va former une super équipe, j'en suis convaincue. Je suis contente de te connaître, Slappy. Je suis contente de te connaître aussi, Amy. J'espère que tu vas te plaire dans ta nouvelle maison. Ah oui, je m'y plais déjà beaucoup. Amy, si jamais je te reprends à fouiller dans mes affaires, tu es morte. C'est clair. Je l'ai juste essayé, je lui ai rien fait à ton pull de malheur. T'avais pas à y toucher. Au lit maintenant. J'irai si je veux. Oui, on ira si on veut. Je te signale que c'est maman qui l'a dit. C'est bizarre. Regarde, Denis, voici ton nouvel ami Slappy. Bonne nuit, Slappy. Bonne nuit, Denis. J'ai rien fait du tout, j'ai trouvé ça dans le couloir. Je te connais. Tu as toujours été jalouse de ma peinture. C'est faux, j'y suis pour rien. Alors qui a fait ça, la petite souris? Tu joues mal sur ce coup. Même moi, j'essaierai pas de me défiler. Jed, reste en dehors de tout ça. Nous en reparlerons ce soir. En attendant, on va t'habiller. J'en ai marre. Pourquoi on me met toujours tout sur le dos?
Amy, tu vas rater le bus. J'arrive. Je suis désolée que tu aies atterri dans une famille aussi bizarre que la mienne. Oh, mais c'est de la peinture. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment elle a pu arriver jusqu'ici? Que ceux qui aiment bien la vie tapent des mains. Que ceux qui aiment bien la vie tapent des mains. Que ceux qui aiment bien la vie et oublient leurs soucis. Que ceux qui aiment bien la vie tapent des mains. Merci, un grand merci à tous. Et maintenant sur la scène familiale vont se produire Amy Kramer et son ami Slappy. À toi de jouer, Amy. Salut la famille, ravie de vous voir. Alors Slappy, tu es content de faire partie de la famille Kramer jusqu'ici? C'est fantastique, faut dire que ma dernière famille était un sapin. Comment tu as trouvé la chanson que papa vient de chanter? C'était ton père. J'ai eu drôlement la frousse. J'ai cru que le chat était coincé dans le lave-vaisselle. C'est pas très gentil. Slappy! Si on parlait de ta mère, l'autre jour dans un grand magasin, un employé l'a vu attendre l'ascenseur et lui a conseillé le bon charme. Amy! Mais c'est pas moi, c'est Slappy! Oh ouais, bien sûr, le pantin m'a forcé à le dire. Quand on essaie de faire un poulet pour avoir du lait de poule, on n'a pas à faire de malin. Hey, tu vas arrêter? Oui, tu entends, arrête! Et toi, si tu veux jouer avec des peintures, deviens peintre en bâtiment, tu seras jamais une artiste. Tu ne crois quand même pas me faire rire? Aidez-moi, s'il vous plaît, je peux pas l'arrêter. Vas-y, doucement sur les ficelles. On va voir ça. Amy, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Amy, lâchez-moi, cessez de tirer comme des folles. C'est pas moi qui dis toutes ces choses. D'accord. C'est Slappy qui les dit. Maintenant, ça suffit. Monte dans ta chambre et prends ton pantin avec toi. Qui es-tu? Ou plutôt, qu'est-ce que tu es? Réponds-moi. Je veux bien être un peu folle, mais pas assez folle pour accepter que tu parles à ma place. Si on sauve pas la forêt de la pluie avec cette affiche, je serais dégoûtée. Tu crois que Shane va te demander d'aller à la fête avec lui? J'espère, mais sinon j'irai avec Taylor. Alicia, d'où tu sors ces poupées? D'un coffre où elles étaient bien rangées. Je suis désolée, elles fouinent partout. Ça ne fait rien, il y a longtemps que j'oublie à la poupée. C'est toujours moi qui fais la babysitter, Tina ne la garde jamais. C'est parce que t'es au milieu, les aînés font toujours ce qu'ils veulent et les plus jeunes ont presque tous les droits. Ça doit être la règle. Je me dis parfois que je voudrais avoir ni frère ni sœur. Comme je te comprends. Amy, c'est à croire que tu cherches les problèmes? Qui t'a dit d'aller dans ma chambre voler mes marqueurs? Tu exagères, je te les ai pas volés, mais en Donne, tu vas les user, ça m'énerve. T'avais pas le droit, je t'avais interdit d'entrer dans ma chambre. Toi, reste en dehors de ma vie. Bonjour, Slappy, je m'appelle Alicia. Alicia, ne le touche pas. Elle va pas le casser. Il m'a dit qu'il pouvait plus respirer dans sa valise. Hé, Margot, tu peux oublier Shane, il trouve que t'as la tête d'une boîte d'asticots. Amy! Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Il est trop rigolo. Oh, il veut pas me lâcher. Amy, arrête ce cirque. S'il te plaît, lâche-la. Lâche-moi. Aidez-moi. Lâche-moi tout de suite, Margot, aide-moi. Amy, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien du tout, tu vas la lâcher, oui ou non? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça va, fais voir. Ne touche pas, ma sœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Slappy a attrapé Alicia, il voulait plus la lâcher. Quoi? T'es qu'une menteuse, une belle menteuse. Je ne veux plus jamais te revoir, à ça non, jamais. Margot, c'était pas moi. Amy, tout ceci va beaucoup trop loin. Mais... Tu vas rester dans ta chambre jusqu'au retour de ton père et je ne veux plus entendre un mot sur ce pantin. C'est pas...
pas possible. C'est de la folie. Ça a assez duré. C'est trop facile de faire porter le chapeau à ce jouet. Tu dois assumer tes responsabilités. C'est pas un jouet, c'est un pantin. On dirait qu'il est possédé, qu'il a une volonté bien à lui. Pourquoi tout le monde pense que je mens? Invente autre chose. Ton histoire est trop bizarre. Bizarre avec un B majuscule. Calmez-vous un peu tous les deux. On est là pour aider Amy de notre mieux et non pour la critiquer. Écoutez, je sais que c'est vraiment incroyable, mais il se passe quelque chose que je ne peux pas vous expliquer. Ben voyons. Ma biche, quand j'avais ton âge, j'avais deux frères plus âgés et une petite sœur. C'était difficile. Et je sais ce que ça fait de se sentir coincé au milieu. Tout le monde refuse de comprendre que c'est Slappy qui fait tout ça. Chérie, si tu es réellement et définitivement convaincue que Slappy est responsable de ce qui arrive, on a peut-être besoin d'aide pour y voir clair. Tu veux que j'aille voir un médecin? C'est un psychiatre qu'il te faut. Sarah. Croyez-moi, je n'invente pas. Je peux regarder la télé? Bah quoi? Faire. Il allait frapper papa, il fallait que je l'en empêche. Mais qui allait me frapper? Je ne comprends rien. C'est terrible. Je n'ai rien fait, il a tout fait. Très bien. On va arrêter ça tout de suite, immédiatement. Mais... Il n'y a pas de mais qui tienne. Fais-moi le plaisir de remonter dans ta chambre sur le champ. On en reparlera demain matin. Bravo, bien joué. Oh, mais tais-toi donc, j'ai rien fait de mal. Jed, Sarah, préparez-vous pour l'école. Je suis prêt. Ils veulent parler à Amy, sans nous. Bien, ta mère et moi, nous avons longuement parlé de tout ça, et nous voudrions que tu nous dises ce qu'il convient de faire. Tu veux dire pour me punir? On sait tous les trois que ce n'est pas la solution. Ça va bien au-delà du fait que ton père n'a plus de guitare. Amy, on veut t'aider, mais on n'arrivera pas à comprendre ce qui se passe si tu persistes à dire que tout est la faute de Slappy. Et pourtant, ce que je dis est vrai. Je vais être en retard pour la réunion. Lorsque tu seras disposé à nous dire ce qui te tracasse, nous en reparlerons. Est-ce que c'est clair? Ça va être une super soirée. Oui. On va encore mettre quelques affiches ici et puis on ira du côté de chez moi. Hmm? Oh, il me tarde d'être avant. Salut, Margot. Allez, venez les filles, on y va. Tu ne vas plus jamais être méchant avec personne. Hé, hey, petite, attends, ne me lâche pas.
tu l'as fait? Raconte. Fait quoi? Casser la guitare? Tu savais qu'il ne laisserait pas passer ça. Ça sert vraiment à rien que je dise la vérité. Ici, vous croyez tous que je suis folle. Va dire à Jed de ne pas oublier de s'essuyer les pieds. Salut. Regarde qui est là. Ne t'approche pas de moi. Mais on fait équipe, rappelle-toi. Ça n'était pas très gentil de me jeter dans les égouts. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas encore compris? Tu ne vas pas te débarrasser de moi. Ah non, et pourquoi? Parce que tu as prononcé les mots Caru Mario Donaloma. Molono Carano. Maintenant, toi et moi, on est inséparables. Tu es mon esclave. Non, je ne serai pas ton esclave et tu m'y forceras pas. Je peux te faire tout ce que je veux. Tu n'as pas le choix. Ta famille te prend pour une folle. Je l'ai fait exprès. On va t'enfermer. Tu ne verras tes parents qu'une seule fois de temps en temps. Non. Écoute, je peux te faire du mal à toi et au tien de mille façons. Non, je vais pas te laisser faire. Amy? Sarah! Mais qu'est-ce que... Sarah! C'est un monstre! Salut, Sarah. Tu veux jouer avec moi? Hé! Qu'est-ce qui vous arrive? Vous pouvez courir, mais vous ne pourrez pas m'échapper. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas trop. Allez, ouvrez-moi! Tu vois, je vous l'avais dit, et personne n'a voulu me croire. Je suis désolée, maintenant je te crois. Je crois qu'il est parti. Jeanne! Jed, où es-tu? Réponds. Soir des parcs. Woody, où est-ce qu'il est passé? Je te tiens. Aimé. À partir de maintenant, toute votre famille n'appartient qu'à moi. Eh oui, c'est comme ça. Oh. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui se passe? Jed nous a sauvés. Quoi? Raconte-nous tout. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Attends, si c'était pas toi, c'était qui? C'est bon de reprendre sa place dans la famille. Oui.